Cette coupe de ruban sanctionne l'ouverture des portes d'une université de marque dans la cité de Saka. C'est la Haute École de Commerce et de Management HCM qui étend ses tentacules dans le département de la Libourie. La commune de Kandi abrite ce campus au quartier Albarika. Ce nouveau campus dispose de plusieurs filières, surtout celle aujourd'hui porteuse, va donner davantage de chances aux bacheliers non seulement de Kandi, mais de la Libourie et environ, voire de la sous-région à cause de cette position géographique de Kandi. Au-delà de l'espace pédagogique, ce campus représente une très grande opportunité pour l'économie locale à travers les emplois secondaires directs et indirects. Source de création d'emplois secondaires, l'implantation de l'école leader dans le chef-lieu du département de la Libourie apporte un soulagement aux parents de bacheliers. Les nouveaux étudiants ne vont plus quitter leur zone de confort pour l'acquisition du savoir. Grâce à HCM Kandi, nous avons la chance de pouvoir poursuivre nos études dans des conditions optimales, sans avoir quitté nos familles, nos amis, notre ville. Nous savons que partir loin de chez soi pour étudier comporte des risques tels que la précarité, l'isolement, le stress. Nous savons aussi que rester près de chez soi offre des avantages tels que la confiance, le soutien, la stabilité, la proximité. Nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes pour réussir nos études et honorer la confiance que vous nous avez accordée. Nous invitons nos autres camarades qui n'ont pas encore fait le pas de nous rejoindre à HCM Kandi afin de bénéficier également de la qualité des enseignements dispensés ici à l'école leader du Bénin. Ces nouveaux locaux symbolisent non seulement notre croissance et notre expansion, mais aussi notre engagement envers l'excellence académique et la recherche innovante. Ici, les étudiants vont réaliser leur plein épanouissement. L'école leader, vieille de 24 ans déjà, s'est investie à construire une infrastructure et acquérir des équipements conformes aux normes en vigueur. L'acquisition des connaissances fait chemin à HCM avec le loisir. Des salles de cours majestueuses, salles d'informatique équipées et bien d'autres avec des aides de jeu et un podium pour l'expression des talents. Le professeur qui est ici, le serveur, peut voir ce que les autres étudiants sont en train de faire. Et leur donner des devoirs à faire, ce qu'ils veulent en train de faire, ils m'assurent en train de faire. Et quand ils veulent, ils projettent sur l'écran qui est derrière vous. Avec un budget de 500 millions de francs CFA, le promoteur a fait construire sur ce nouveau site des bâtiments de même architecture que ceux des villes de Boïcon et Porto Novo. Des efforts que reconnaissent le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les inspections réalisées par la Direction générale de l'Enseignement supérieur sur ce site ont été toujours favorables. Le site de Kandi réunit toutes les conditions et nous invitons à cet effet les nouveaux bacheliers à s'inscrire massivement en vue de bénéficier d'une formation de qualité. Sur ces mots d'exhortation, je souhaite, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, plein succès à cette école de référence en matière de commerce, de gestion et de technologie. Les enseignants prévus pour donner les cours bénéficient d'une autorisation d'enseigner par le ministère de l'Enseignement supérieur. Certains d'entre eux sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. L'école leader est dans une politique de rapprochement qui rime avec une bonne qualité d'enseignement. Avec le confort du centre, les étudiants auront une facilité à apprendre et à innover. Nous estimons qu'il est important que nous nous rapprochions de nos parents pour leur apporter le savoir. Il ne faut plus qu'on court pour aller au savoir, mais que le savoir viennent vers nos enfants. HCM Kandi, à l'instar de Boïcon ou Parakou, a aussi quelques infrastructures d'accompagnement, infrastructures sportives. Vous voyez à ma gauche ici, un terrain de basketball. Mais là où je suis, le podium, c'est une infrastructure culturelle. Cela veut dire que désormais, nos artistes ont aussi un podium pour s'exprimer. Nous sommes la seule université privée membre élue de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Parce que nous créons, nous entretenons et
travaillons énormément avec les entreprises. À la cérémonie d'ouverture officielle du site de Kandi, les témoignages pleuvaient et étaient édifiants. HECM forme dans différents domaines de la gestion et des technologies. Les journées portes ouvertes sont lancées et prendront fin le 16 octobre, jour du démarrage des cours.